je deviens tapeur à gages. À Montmartre, j'accompagne le chansonnier Vincent Hispa. De cette forme de complicité, allaient naître quelques petites pépites musicales. Aujourd'hui, quand j'y songe, je n'ai pas à rougir de ces bluettes, écrites entre deux cuites. Il est vrai que l'alcool était mon seul réconfort. Tendrement, poudre d'or, et je te veux.
décadera le 1er juillet 1925 à l'âge de 59 ans d'une longue maladie. Mais quelques minutes avant de mourir, il eut encore le temps de faire un monde. Apprenant que le père venu lui apporter les derniers sacrements s'appelait Père Saint. Je lui dis, mais c'est bien la première fois que je vois un saint vivant. Dites-moi, vous avez l'air d'un Modigliani noir, mais sur fond bleu. Surprenant.